Alors écoutez les amis, je pense qu'on va partir sur ce MW2 que j'ai repris goût à jouer dessus. Voilà, j'ai repris goût à jouer dessus et... et ça faisait plaisir. Donc je l'ai pris sur Xbox. C'est la première fois que je vais jouer à MW2 sur Xbox. Donc ça va être un grand moment, on va dire. Xbox machin. Bon, ok, j'avais jamais vu les petites étoiles. Allez, c'est parti, un match à mort. Puisque de toute façon, voilà, je suis niveau 1. Je n'ai pas le choix. Puisque c'est vrai que sur les anciens Call of, bah, on n'avait pas le choix au début de choisir match à mort ou les modes de jeu comme ça. Cette map-là, je suis pas très fan. Mais bon, j'ai pas le choix de toute façon. Donc, bah, dites-moi si tout se fonctionne bien. Oh là, il y a plein de... Le chat est difficile à bien cerner. Mais en tout cas, dites-moi si ça fonctionne bien. Bon, allez, c'est parti. Bah, alors, tout début, il n'y a rien. Voilà, donc je vais commencer avec... allez, on va prendre l'UMP45 à l'ancienne. Donc, attends, vibration, je les enlève, je inverse la sensibilité, enfin la vision, je vais mettre 7 pour le moment, et je vais mettre en tactical, voilà, je pense que je suis pareil, je vais muter les gens, parce que ça m'intéresse pas ce qu'ils ont à dire, vu que de toute façon, je comprends même pas la moitié des mots qu'ils racontent. Allez, UMP45, marathon poids léger, je sais même pas si j'ai commando d'ailleurs. J'entends un bip dans mon oreille, je sais pas, score high. Ça marche d'enfer apparemment. Bon bah nickel, allez hop, on continue alors si ça marche d'enfer. Moi j'ai coupé, j'ai coupé le live pour moi pour éviter justement que ça prenne trop de puissance et pour, pour que ça soit un peu mieux au niveau de là. Hop là. Ah oh, putain de bâtard, je croyais que je l'avais touché. Je suis pas très fan avec cette arme là, mais bon, écoutez, hein, on va faire comme on peut. En tout cas, bah, j'espère que pour vous tout va bien. Et effectivement, bon, j'imagine que comme c'est un nouveau compte, il y a pas mal de gens qui vont m'ajouter. C'est pas terrible pour moi cette arme là. Surtout sur cette map, je pense que je vais plutôt prendre la FAMAS hein, en fait. Donc. Si vous voulez m'ajouter sur ce compte-là, allez-y. Hein. C'est un compte secondaire que je vais utiliser, je sais pas si beaucoup de fois ou pas. Ah, il y a quelqu'un là-dedans. Allez hop, on y va. Le Rafika. Allez. J'espère qu'il y a son barrette. Voilà, tiens, hop, un petit sniper. Bon. Wouhou. Merde, bah ils se font tuer alors, et moi, et laissez-moi un peu. Oh putain, alors morphine. Oh morphine, ça c'était du lourd morphine. Ah je te vois pas, putain, mais quelle idée de mettre le thermique. Sale FAMAS, ça qu'est-ce qu'elle est efficace. Mais bon, faut que je gagne quand même pas mal d'XP là. Pour arriver à pouvoir personnaliser ma classe. Voilà déjà un petit level. Personnaliser ma classe. Le FAMAS est vraiment magnifique dans le W2. Ça, y a rien à dire. Oui, y a quelqu'un dans le coin là. Je suis sûr qu'il va. Je vois rien là, je vois rien. Wouhou! Tiens, y en a un autre là-haut. Je sais pas si c'est là ou là. Il est où? Il est où? Il est où? Je vais pas prendre le lance-patate quand même, hein. ça serait un peu... Voilà, nickel. Oh bah voilà, je me suis mort, c'est pas grave. J'ai au moins débloqué mon Predator. Et comme il va avoir le harrier, je vais niquer le harrier avec. Comme ça, ça va m'éviter de me faire tuer bêtement par ce harrier qui est purement efficace. Voilà. Je sais pas si les ennemis sont là. Ah merde, bah effectivement, j'ai bien fait de pas jeter mon colis. Je vais le jeter là, on sait jamais s'il y a un petit truc sympathique. Je m'en fous des colis en général ou quoi, mais bon, comme là je suis level 2, j'ai besoin de faire quand même pas mal d'expérience. Donc, tout ce que je peux avoir qui puisse m'aider à faire du kill, c'est important pour pouvoir obtenir la personnalisation des classes et pour pouvoir prendre le fameux intervention. Effectivement, je vais pas jouer au barrette parce que le barrette c'est un peu...
C'est un peu pour débutants, entre guillemets, quoi. Je vais attendre d'être à un endroit quand même stratégiquement posé. Alors c'est vrai que dans MW2, là, tu poses la tourelle et un coup de couteau, elle est niquée. Donc il faut vraiment la placer stratégiquement pour éviter de te la faire banane. Voilà, hop. Je suis level 3, ça c'est bon. Normalement, ouais. Ça c'est une grenade, attention, je la retiens. Elle va exploser, boum, un kill. Oh merde, non. J'ai tendance à vouloir rester appuyé sur la touche R3, je crois que ça s'appelle, pour pouvoir faire une glissade, mais malheureusement on peut pas dans MW2. Alors on va la jouer un peu à la noob, tiens, allez hop, juste pour le plaisir. Merde, ça a pas payé. Tant pis. Donc sachant que là, quand je vais commencer l'intervention, je n'aurai pas passe-passe pro, c'est-à-dire qui te permet de viser plus vite. Donc ça risque d'être un peu plus difficile pour moi, dans un premier temps, encore que je pense pas, tu vois, j'en sais rien, je dis ça, c'est sûrement des conneries. Oh là là, la collade, comment elle est passée là. Le FAMAS c'est vraiment magnifique dans ce jeu-là, ça, c'est indéniable. Mais là je suis level quoi, 3, il faut vraiment que je gagne encore parce que je veux pouvoir créer ma classe. Je crois que c'est level 4 qu'on peut créer sa classe. Je suis pas sûr si c'est le 4 ou le 5. Mais dans le doute, au moins arriver dans le 4. Hein. Oh foiré! Oh putain! Allez, je vais essayer de faire le tour. Ah oui, il y a le space 12 silencieux. Alors ça... Oups, ça lag. Ah bah, ça lag. Ah bah, ça c'est... Oh, si ça me déconnecte, j'ai peur que... Non! Mec! Putain! Ah, je suis toujours level 3. Heureusement, ça m'a pas fait perdre mon XP. Bon, je vais quitter là. Est-ce que je peux toujours rien faire? Non. Emblème. Tiens. Non, j'aime bien celui-là. Et le titre, j'aime bien celui-là. Voilà, on va rester comme ça, je pense que tout au long de MW2, avec ce jeu, il y aura du gosse ce soir. Alors, pour l'instant, tu sais pas jouer à la noob, t'es un joueur correct. Ouais, alors, j'ai que le son. Alors, si vous avez des problèmes d'image, de son, etc., bah, rafraîchissez la page. Des fois, ça marche. Moi, ça me l'a fait, tout à l'heure, ça a bloqué. J'ai rafraîchi, ça a marché. Bon, c'est un peu con. Mais effectivement, tout ça, le site pour moi est vraiment bien, mais bon, c'est encore en phase d'amélioration, de développement, donc ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas, l'écran du live est vert, pour moi, je vois quasi rien. Alors, c'est pareil, il faut rafraîchir, ça marche très bien, bonne qualité, donc... Il y en a pour qui ça marche bien, donc si ça marche bien pour certaines personnes, c'est pas du genre, non, toi, je t'aime pas, je vais pas faire bien marcher le live... Essayez, rafraîchissez la page, si vous êtes sur ordinateur, si vous êtes sur des mobiles, ou si vous êtes sur des plaquettes... des tablettes, etc. Essayez avec Google Chrome. Google Chrome, ça marche généralement super bien. Donc, voilà, essayez. Je joue... J'essaie de lire en même temps et tout. C'est pas facile, mais... Oui, si vous avez une mauvaise connexion, effectivement, là, je peux pas faire grand-chose. Je suis vraiment désolé. Alors, la classe par défaut de sniper est vraiment... plus que dégueulasse, donc je vais pas la prendre non plus, hein. Je vais plutôt garder celle au FAMAS pour commencer, comme ça pour les gens qui aimeraient voir autre chose que du snipe, bah voilà, même si franchement bon c'est pas forcément ma tasse de thé quoi, j'aime bien jouer à l'arme en général, mais c'est simplement dans le but de m'amuser, voilà, franchement je suis pas très bon alarme, donc du coup je me désespère souvent, surtout que je vois des mecs des fois faire vraiment des trucs de malade. Ah merde, oh. Ah je sais où ils sont. Allez les coquins, j'arrive vous chercher. Putain il l'a eu, je crois, hein. Ah non il est en barou. Attends. J'ai voulu, bah écoute. Ah la M16. Allez, M16 silencieux. On va l'essayer. Ouh merde. Il est où? Je suis sûr qu'il a un silencieux en plus, je le vois pas ce con.
Vous l'avez vu? Je sais pas si vous l'avez vu sur le radar. Mais moi, je l'ai pas vu en tout cas. Donc. Là, j'entends un mec qui marche. Est-ce que c'est l'allié? Je pense pas que j'attende si loin que ça. Ils me font peur, ces cons! Ah putain, j'ai visé à côté. Oh là, l'idiot du village. Et il a déjà le Pavlo? Non, tu rigoles. Ah, il l'a ramassé dans un colis. Oh l'enculé, putain. Mais c'est quoi ça? Ils ont déjà tous les killstreaks, ils ont fait à peine 3 kills. Foutez de ma gueule ou quoi? Ah, puis le Pavlo. Ah, bah non, je suis resté à l'intérieur. Le Pavlo, tu peux rien faire. Tu te fais dégommer. Je vais en profiter pour lire les messages, voilà. Alors, je vois à chaque fois dans le live, dans le chat, ceux qui quittent, ceux qui rejoignent. Ouais, le chat est tout pourri. Bah, je suis vraiment désolé. Salut, j'arrive pas à voir le live sur ma tablette. Essaye avec Google Chrome. Logiquement, ça doit marcher. Google Chrome ou Firefox ou je sais pas comment ça s'appelle. Mozilla, un truc du genre. Pas de rage sur la première partie, mais maintenant c'est parti. Eh oui! Casse-toi, ta putain de merde. Bon, bah écoutez, c'est normal, hein, première partie, on est là, on est un petit peu vierge de toute émotion. Et sur les parties suivantes, on rage un petit peu. Alors pourquoi je vais là? Le Pavlo dure une demi-heure. Et en plus, il est super puissant. Tiens, regardez. Paoum! Allez, je suis un enculé, je m'en bats les couilles. Oh, il va pas mourir! J'ai l'impression que j'ai les grenades illimitées là. Ah, hein. Je jette mes grenades depuis tout à l'heure et. Ah, ouais, j'ai encore un lance-patate, tiens. Eh oui. Oula! Oh merde, j'ai visé à côté! Ah, je voulais jouer comme un enculé, mais j'ai du mal. Hein. Ah, bah, j'ai pas l'entraînement, hein. Mais il y en a, moi quand j'ai joué sur PS3, sur MW2 là, il y en a, ils ont vraiment de l'entraînement pour jouer comme un enculé. Ça, je les félicite parce qu'ils sont quand même pas mauvais là-dedans. Faudrait peut-être que je gagne un level, hein. Merde! Putain de... Ah! J'ai visé à côté, quel con! Ah putain, et puis en plus j'ai arrivé à level 4 là grâce à ça là, j'en suis sûr. Ah putain. Vivement le snipe hein, parce que là ça fait chier ça. Hein. Famas c'est bien mais bon. Mais au bout d'un moment t'en as plein le cul, hein, t'as envie de jouer avec une vraie arme. Bon, où est-ce qu'il y a des ennemis là? Et le mec! J'ai à peine le temps de le voir! Oh, oh, ouais, ouais. Bien vu, hein. Je suis pas encore assez affûté sur MW2, hein, ça. Ça, c'est un truc. Ah oui. Ouh là, voilà, la petite rafale qui fait plaisir. Là, le niveau 4, voilà. Enfin. Putain, c'était pas trop tôt. Je m'en fous. Je crois que j'en ai vu un autre là. Hein. Ah non. Mais je lui tire. Ah bah voilà, enfin. Ah bah voilà, tu vois, je vais pouvoir me faire un petit peu d'XP là. Viens là. Hop. Voilà. Nickel, nickel. Je vais faire un petit peu d'XP. Attends, je vais attendre lui. J'espère que c'est un bon truc. Hein. Lui, il a des Pavlos, moi je vais avoir quoi? Ah, bon, ça va encore. Je sais pas où le lancer, je vais le lancer là dans le doute. Wouhou! Et ben voilà.
Une petite triple feed, ça fait plaisir. Au bombardement, histoire de faire un petit peu d'expérience et d'arriver discrètement sur mon level 5 pour pouvoir faire débloquer les défis, personnalisation des classes, etc. Toute le team, quoi. On a l'habitude. Alors là, il y a le petit campeur là-haut. Je sais pas s'il a encore en vie, mais je vais le chercher. Bon, bah voilà, j'ai fait ma petite série quand même, mine de rien. On va gagner. On se rattrape un peu. Et je vais pouvoir utiliser ensuite mon intervention en toute logique. Donc là, je suis assez content quand même. Oh merde! Je suis un petit noscope kill cam, on ne sait jamais! Bon, voilà, je suis level 4, donc ça, ça fait plaisir. Au moins, je vais pouvoir créer ma classe. Normalement, je crois. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que je vais pouvoir créer ma classe. C'est déjà au moins un bon truc. Ton live bug au bout de 41. Alors, il y a des gens qui disent que ça bug, des gens qui disent que ça bug pas. Donc, j'imagine que si ça bug pour certains. Ah bah tiens, je vais pouvoir avoir normalement l'intervention. Voilà. Camouflage. Bah, Woodland, je l'ai pas encore. J'aime bien l'Arctique, mais on va le faire sans camouflage. Allez, c'est parti. L'USP 45. On n'a pas trop le choix. La grenade de la Semtex. La Semtex, la stun, c'est plus rapide à lancer. Bah, je vais avoir passe-passe pro quand même. Je ferai marathon un peu plus tard. Bah, force d'op, on est obligé. Et commando ou steady aim, on va prendre visée solide. Ça, copycat. Normalement, tout va bien. Voilà, je vais quand même. Faire une petite classe avec l'AM, voilà cette arme là, au cas où. Non, je vais plutôt prendre ça, voilà, hop, hop, hop. Là, je vais prendre, voilà ça, ça. Je vais prendre Steady AM, hop là. On sait jamais que bah, des fois ça soit pas vraiment jouable au snipe, il faut toujours avoir une petite classe mitraillette histoire de se faire plaisir. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, en espérant que pour vous, bah, tout va bien, que ça marche bien le live. J'essaie de voir en même temps. Si jamais il y a vraiment un problème, dites-le moi sur Twitter, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que sur... je peux pas vraiment voir là sur le chat. C'est pas très évident. Voilà, s'il y a des petits soucis, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter, que je puisse bien voir comment ça se passe. Allez, c'est parti pour l'intervention. Sans passe-passe pro, c'est-à-dire que bah, je peux viser que lentement. Mais c'est pas grave, on va essayer de s'y mettre. Oups là. Ah putain, effectivement, c'est vachement long. Ouf. Ouais, j'ai un petit peu de mal, hein. J'ai un petit peu de mal encore. Mais j'ai tiré dessus, mec, je comprends pas, là. Ah là, là, non, 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 je veux bien que j'ai un peu de mal, mais faut pas exagérer non plus. Les connexions ont l'air bonnes. Bon, j'ai 3 barres, c'est pas non plus le top du top, mais ça a l'air d'aller quand même. Voilà, enfin, dépucelage de l'intervention sur la Xbox. Ça, c'est fait. Oh, ah oui, commando. Non, même pas. Bah, poids léger marathon, ça aide quand même. Hein. Merde, j'ai visé, je l'ai plus vu. Merde, il est où? Mais me bloque pas, espèce de tarlouse de merde, va. Bah. Je croyais qu'il était rentré dans le bâtiment, le con. Oh là là, je me fais poutrer, hein. Bon, ça arrive, hein. À minuit, ça, c'était pas mal, quand même. Hein. Ah, je l'avais pas vu, l'igno. Putain, je voulais ramasser le FMJ, là. Oh, oh la pile. Allez, 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 hein. On va essayer de s'appliquer un peu parce que là je fonce dans le tas. Oula, oula. Oh putain. Au secours, maman.
un peu difficile pour moi, j'en conviens. Donc. En plus, s'il y a l'élite marqueur, ça va pas le faire. Il est où ce con, putain? Ah, il est là-haut. Et là, du coup, heureusement que je me suis pris un petit marqueur, tiens. Ah mais en fait le problème, je vois ce que c'est que je tire avant de viser, j'ai l'habitude que ça vise comme ça et c'est le temps de s'y faire. Allez hop, je balance mon petit drone. Je vais essayer de rester un peu à distance parce que là je vois que à vouloir rusher finalement c'est vraiment la mauvaise technique. Donc bah, je vais tenter une autre. On va rester un peu plus en retrait et essayer de faire quand même mes éliminations parce que si je fais pas d'élimination, je risque pas d'avoir passe-passe pour. Hein. Putain, il est là ou quoi? Merde. Bon, ça va un peu mieux là. Hein. Oh merci. Merci l'ami. Que le bon Dieu te le rende. Allez, petit Predator. Et c'est vrai que la différence sur, bah, sur MW2, c'est que même si tu fais plus d'élimination après, tu ne récupères pas tes killstreaks. Donc, je vais tenter de le jeter là, même si c'est un petit peu risqué cet endroit-là. Ouf, par chance. Ah ! Putain de bâtard ! C'est mon collier ! Le touchez pas, j'en étais sûr, j'allais me faire baiser la gueule. Non, c'est le mien, casse-toi, casse-toi, bâtard ! Putain, fils de... Ah, c'était ma tourelle, c'est moi qui devrais avoir les éliminations. C'est pas juste, hein. Bon, je me suis quand même un petit peu... ah oh, putain. Yeah. J'ai la killcam. Bon, et 14-14, c'est mauvais, j'en conviens, je suis vraiment désolé. Franchement, on voit le début de partie, c'était catastrophique. Je me suis fait sodomiser à sec en plus. Alors, je peux vous dire que ça fait mal à sec. Bah, au moins, tu fais un petit crachat dedans, quoi. Et à la fin, bon, je me suis rattrapé un petit peu. Heureusement, hein, j'ai envie de dire heureusement. Moi, j'aime bien des rails. Elles me dérangent pas. Surtout, comme j'ai pas passe-passe pro, je vais plutôt en profiter pour garder des combats à distance. Ça me stresse toujours quand il y a écrit New, comme ça je suis obligé d'aller les enlever parce que je supporte pas. Alors je sais pas si ça vous fait la même chose, mais en tout cas moi je perds du temps à le faire parce que j'aime pas quand il y a écrit New. Je me dis, il y a un truc. Voilà, ça me sent mieux. Donc, alors, sur mon intervention, non, j'ai rien gagné je crois. Hein. Comment je fais pour gagner balle chemisée? Ah oh, putain, alors ça va être dur parce que faut que je débloque FMJ. Et pour débloquer FMJ, faut que je fasse... 75 kills avec cette arme. Ah mais j'ai pas encore débloqué les défis parce que j'étais pas level 5. Putain, ça c'est vraiment la merde par contre hein. Bon bah écoutez, maintenant je vais pouvoir débloquer mes défis. Donc tous les kills que j'ai fait ne comptent pas pour Passe-Passe Pro. Ça fait plaisir. 720p, aucun lag, ça marche nickel. Ça fait plaisir. Donc ça veut dire que si vous avez des problèmes, ça doit venir de votre connexion internet. Alors, plusieurs trucs par rapport à ça.
Si vous voulez, en règle générale, c'est pas forcément pour le live, mais en règle générale, si vous avez des petits problèmes de connexion internet, la meilleure solution, moi c'est ce que je fais quasiment tous les jours, vous débranchez votre box, vous débranchez tout l'internet, l'électricité de l'internet, pendant minimum 10 secondes, voilà, vous débranchez, vous les attendez un petit peu, et boum, vous rebranchez. Généralement, l'internet, ça va un peu mieux, ça réinitialise un peu le tout. Et ensuite, si le problème persiste, bah c'est simple, hein, réallumez votre PC. Voilà, vous rallumez votre PC, vous rallumez votre internet, ça prend au total 5 minutes et je peux vous dire qu'après, ça règle pas mal de problèmes au niveau des lags. Et moi, généralement, réallumer le PC, l'internet, je le fais, le PC, je le fais au moins 5 fois par jour, comme ça, il marche bien tout de suite. Et l'internet, c'est pareil, je le fais au moins une fois par jour pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, bah, ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Merde, il y avait la colonne. Aïe, aïe, aïe. Donc si vous avez des petits problèmes, bah faites ça. Redémarrez votre ordi, redémarrez votre internet. Et ensuite, bah, peut-être que votre ordi rame un peu. Bah, ça, faut le nettoyer. Et pour le nettoyer, je crois que Capet le vrai a fait un tuto pour nettoyer. Donc bah, je vous invite à aller le regarder. Forcément, bah, ça peut aider, hein. C'est vrai qu'un ordi qui rame, il n'y a rien de pire, hein. Où sont-ils? J'entends qu'il y a des gugus dans le coin. Oh, ils vont être là-dedans. Ah non, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Je crois qu'il y en a là-dedans, hein. Je suis pas sûr, mais bon. Non. Petit lag. Marqueur. Ah merde, c'est con. Bon, ah oui, ça lag, effectivement. Je l'avais dit, hein. Je suis pas un menteur, je suis pas un rageux disant ouais, ça lag et tout. Juste parce que j'arrive pas. Effectivement, non, ça lag un peu. Tu le sens de toute façon quand tu marches, tu cours, tu bouges, tu sens il y a un petit truc qui marche pas super bien. Donc en espérant que ça fonctionne après, sinon bah, je quitterai la partie puis je relancerai une. De toute façon, en ce qui concerne le live, quelque chose qui m'a été reporté, et ça j'ai essayé mais on peut vraiment rien y faire, toutes les 30 secondes, toutes les 30 secondes, les 30 minutes, il faudra que je mette pause et que je le redémarre parce que y a un décalage de son qui se crée. Environ à 30 minutes, ça commence à devenir un peu désagréable. Donc toutes les 30 minutes, je vais quitter et relancer le live. Voilà, donc c'est simplement, j'arrête, je relance, ça réinitialise le tout. Et au moins, ça permet qu'il n'y ait pas de décalage de son, parce que sinon, bah, ça devient un petit peu chiant. Donc voilà, autant perdre une minute, et au moins derrière, que pouvoir faire le live, que ça soit agréable à regarder. Et surtout, bah, si je fais la rediffusion, agréable à re-regarder. Voilà, donc... Juste ça. Ouh, c'est un petit problème dans la visée. C'est pas grave, je l'ai eu quand même. J'y vais, je vais percer. Attention, commentateur de match de foot. On y va, on le nique à droite, on le nique à gauche. Il est déjà mort. Bon. Mais j'entends qu'il y a encore du monde, hein. Voilà. Merde! Ah! Petit connard! Putain, tu peux pas jouer avec ton sniper, enculé, va! Petit moment de rage. Voilà, bon. Ça joue au snipe, hein. C'est bien. C'est bien. Bon, tout le monde a plus ou moins une connexion correcte. C'est vrai qu'il y a des petits ralentissements à certaines fois, mais bon, dans l'ensemble, c'est relativement correct, on va dire. Headshot, biatch! Ah, il faut que je fasse mes défis headshot pour les camos. J'avais oublié. Bon, allez, c'est parti. On va faire des headshots. Merde. Oh, il y a du monde! Ah, vite, 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 vite! Putain, j'ai pas insertion tactique en plus, je sais pas quand est-ce qu'on la débloque, mais je crois qu'on la débloque vachement tard. Fait chier, bordel. Tiens, vas-y, tu vas arriver à la fenêtre, je suis sûr, tu vas te prendre une Semtex. Ouf, putain, je suis vachement étonné que ce soit pas pour ma gueule, tiens. Là, si. D'ailleurs, j'ai tiré à côté, mais quel handicapé! Il y en avait un autre. Au moins, j'ai fait un headshot, ça fait mon défi. Allez, tiens, care package. Là, au moins, je suis sûr que personne va venir me casser les culs. Merde, non, non, je vais pas le lancer tout de suite, je vais attendre d'arriver. C'est un petit peu égoïste, mais je le garde pour moi quand même, c'est moi qui l'ai débloqué. Ouh, merde! Ah, décidément, tu vois, finalement, j'ai failli trop parler.
Hey, tiens, dans ta gueule, toi, tu crois que c'est à moi le colis, là? C'est à moi qui t'arrive, là? Qui t'arrive, toi? Qui t'arrive? Putain, dégage, vas-y, baisse les yeux. Le mec, il met des coups de pression pour rien, tu sais, tout le monde s'en bat les couilles. Allez, je vais lancer mon petit airstrike quand même. Ah, voilà, il y a toujours des gens qui campent un petit peu là-dessus. Je vais faire le ménage. Et merde. C'est kiffant quand même, hein, de faire les premières parties. Les premières parties, quand tu commences, quand tu as un jeu, bon, même si tu l'as déjà joué, tu vois, j'ai déjà joué à MW2, hein, je l'ai déjà torché, etc. Mais les premières parties, merde, j'aurais dû prendre l'arme secondaire, même si c'était un peu dégueulasse, mais le hitmarker fait chier. Hein. C'est les premières parties sur un compte, quand tu commences le niveau 1, c'est un moment spécial. Franchement, c'est toujours un moment, je sais pas, un moment magique. Donc... c'est vrai que j'aime bien. Voilà, 15 kills using. Putain de merde! Voilà! Ouh, emergency airdrop. Je vais aller essayer du carotte parce que je suis un crevard. Si j'arrive à sortir de la porte, quand même. Quel con, bordel. Donc, je sais pas combien de temps ça fait le live là. Mais comme j'ai dit, hein, j'arrêterai au bout de 30 minutes et je le relancerai. Voilà, je ferai ça toutes les 30 minutes. Et en fait, le principe de MW2, sur le coup, ça va être simple. Ça va être... Oups, là, attention. Ouh, là, il est là, attention. Biatch ! Il n'y a plus de colis ? Il a tout pris ? Non. Il n'y a pas un colis ? Eh, t'en as pas laissé un pour tonton ? Non, voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc là, je vais faire le live sur les premières parties, puis je continuerai après sur tout ça en live. Et finalement, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Allez, on y va. Je suis sûr qu'il va y avoir des coquins dans le coin. Allez. Où est-il? Allez, j'ai le petit drone. Merde! Merde! Oh putain! Ah! Bien joué! Putain! Alors, ça, le colis stratégique, c'est quelque chose qu'ils ont retiré de Ghost. Et finalement, je pense que c'est une bonne chose parce que 4 kills sans mourir, c'est pas trop dur à avoir. Et des fois, tu peux avoir des killstreaks dedans qui sont relativement puissants. On va regarder, voilà. Je pense que l'illustration même, voilà. Donc la C-130 qui normalement prend 12 kills, je crois. Donc c'est un peu con pour tout le monde, quoi. Mais j'en profite, je m'en fous, hein. J'ai la C-130, je vais pas le perdre, hein, ça serait con. Il y a du monde en face, hein, pourtant. La C-130, c'était vraiment un killstreak de ouf. Je sais pas en quelle langue il parle, en tout cas, lui. Merde, je peux pas l'avoir. Putain, alors ça, c'est vraiment la ridiculité... ridiculité, ça se dit pas. De Call of, c'est-à-dire que tu peux pas viser plus haut que ça, voilà. Sinon, voilà, bon, c'est con. Allez, on va tenter l'hymnoscope. Ah, merde, putain. Ah, le mec avec sa tourelle, il fait chier. Alors, c'est vrai que les tourelles, maintenant, bah, je les utilise un peu plus dans Ghost parce qu'elles sont moins faciles à niquer. Mais elles sont tout autant niquables, hein, si je peux me permettre l'expression. Et au moins... Mais elles sont quand même efficaces. C'est vrai que bah, dans les jeux comme MW2, MW3, un petit coup de couteau, c'est mort. Effectivement, c'est pas vraiment rentabilisé et c'est un petit peu rageant. En tout cas, franchement, bon kiff de commencer sur MW2 comme ça. Même si la partie est pas forcément à la hauteur. Parce que bon, c'est vrai que sans passe-passe pro,
Quand t'as pas forcément l'habitude, et j'ai pas forcément l'habitude, c'est pas super simple. Mais je vois un mec à Sky, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a rejoint, on va savoir. Peut-être. Voilà. Donc en tout cas, bah, si vous voulez rejoindre, allez-y. C'est vrai que généralement, je me mets toujours en ligne, et je crois que je me suis mis en ligne parce que j'ai... C'est pas que j'aime pas qu'on me rejoigne, mais c'est que j'aime pas jouer contre des snipers, j'aime bien jouer sur un truc plus normal. C'est vrai que quand tu joues contre des snipers, c'est un petit peu, entre guillemets, tronqué, trop facile, tu vois. Si tu te mets en sniper lobby, tous à l'insertion tactique, dans le couloir, tout le monde se vise comme ça, franchement, il n'y a aucun mérite à arriver à faire quelque chose parce que bah, c'est facile, quoi. Tu sais, tout le monde veut faire la même chose. Que si tu joues contre des gens qui sont un peu plus voilà, aléatoirement, bah, effectivement, la difficulté est réelle. Elle est pas fictive et donc du coup bah c'est plus intéressant parce que bon si je joue contre que des mecs au snipe bon des fois ça peut être dur mais des fois ça peut être complètement facile et ridicule et pour moi c'est sans intérêt donc c'est pour ça que je me mets souvent hors ligne. Oui il y a les colis sur Ghost mais il faut remplir les missions parce que je veux dire pas dans les killstreaks à l'instant même. Donc je vais arrêter le live et je vais le relancer comme ça le son, il n'y aura pas de décalage de son, donc il y en a pour 30 secondes. Allez, à tout de suite. Voilà, ça va être reparti sur le live. Donc voilà, je suis obligé de faire ça. Alors je sais pas si vous me voyez, je vais attendre un petit peu que ça rafraîchisse. Normalement ça va être bon, attention, on va voir. Voilà, c'est parti. Sur... Voilà. Je suis obligé de faire ça, de couper et de le relancer, parce que sinon il y a un décalage de son. Un décalage entre le... Oh bah c'est con, c'est con. Il y a un décalage. Donc ça je pense que pour tous ceux qui suivent mes lives le savent qu'au bout d'un moment, bah, 30 minutes à peu près, bah, le son est décalé un petit peu. C'est pas forcément agréable, donc je suis obligé de quitter et relancer, donc vous voyez il y en a pour 30 secondes et logiquement, en toute logique, j'ai pas encore de recul ou d'expérience mais ça doit régler le problème. Je galère un peu, voilà. Merci pour la petite fumigène. Ouh, le AA-12, voilà une arme de MW2 complètement abusée que tu voyais partout, c'était franchement l'enfer cette arme là. Je la déteste, c'est vraiment une arme de d'enculé, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des armes comme ça dans les jeux, il y a des armes d'enculé et puis il y a des gens qui les utilisent donc forcément ce sont des personnes que, bah, qui sont chiantes à jouer. Putain. Ah, on se croirait dans Ghost. Pardon. C'est vrai que sur les points de réapparition de Ghost, c'est que c'est la merde. Même s'ils sont en train de le régler. Mais en jouant sur tous les autres Call of, j'ai vu que finalement, les points de réapparition merdiques, c'était un problème de Call of en général et pas forcément qu'un problème de Ghost. Même si sur Ghost, il est un peu, je dirais... bien poussé quoi, c'est vrai que c'est trop. Là c'est de temps en temps ça arrive, bon. De temps en temps ça arrive, mais trop c'est trop. Donc vivement que je débloque le chargeur amélioré. C'est vrai que beaucoup utilisent, comme j'avais dit sur mon gameplay, beaucoup utilisent balles chemisées. Franchement pour ma... Ouh, je suis pas mort. Le mec. Beaucoup utilisent balles chemisées, mais franchement, je préfère largement utiliser chargeur amélioré. Et en plus, comme tu utilises chargeur amélioré, t'as plus forcément besoin de passe-passe. Une fois que t'es habitué à viser sans passe-passe pro, là, ça commence à aller un petit peu mieux. Donc après, t'en as plus forcément besoin. Putain, mais c'est pas vrai! Ah, voilà. Wouhou! Je suis flashé et j'ai un care package. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est bien. Tiens, je vais lancer mon care package. On va en profiter. Hein. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Donc, c'est comme ça. Je vais essayer de pas me faire buter parce que généralement, je pense qu'on est tous à l'époque, c'était ça. Alors, moi, je lance mon colis stratégique
Et c'est toujours à ce moment-là que je me fais buter. Voilà. Donc j'ai des munitions, j'en ai rien à branler parce que je pense que je me ferai tuer avant de venir à court de munitions. Mais c'est pas grave, on sait jamais que je fasse une Moab. Ça n'existe pas, bien sûr. C'est vrai que ça, c'était un petit peu le... C'est bien et pas bien, c'est-à-dire que il y a la nuque, mais si tu veux avoir la nuque, il faut que tu... il faut que tu la sélectionnes. Là, le spot est pas mal, hein. Tiens, je vais le garder. J'aime bien ce spot, c'est le mien, touchez pas. Donc je vais pas lancer mon prédateur tout de suite, parce que de toute façon, ça m'aide pas à avoir plus de... De killstreak. Oh bah tiens, dis donc, je me débrouille correctement, on va dire. Oupla, oupla, oupla. Il est tombé, non? Ouais, je crois qu'il est tombé. Et j'ai même pas été compté comme une élimination. Ah, mais c'est dégueulasse, bordel de merde! Tiens, allez, voilà, du coup, j'ai gardé mon prédateur, ça va être pour toi, fils de... Il est où? Je le vois pas. Putain, je le vois pas, merde! Ah, j'en ai eu un, quand même. Je sais pas si c'est lui, mais j'en ai eu un. Et je suis au moins content d'en avoir eu un. Alors, hop, une petite flash à cet endroit-là. Allez, c'est parti. On va faire le tour. Effectivement, c'est à ce moment-là que Marathon... Franchement, s'il faisait par exemple une mise à jour sur MW2 où il te mettait spécialiste... Oh putain, qu'est-ce que ça serait kiffant de jouer MW2. T'imagines? Oh merde! Ouf, c'était moche, hein. Eh oui! Qui a besoin de passe-passe pro là? On s'en fout de viser vite! Voilà! Tu vois? On s'en fout! Pas besoin de viser vite! On est là, on représente. On horoscope. Ça marche pas! Allez, petite revanche au Predator. Ah, j'aurais dû lancer mon colis. Généralement, quand t'as les deux, voilà, tu lances ton colis, tiens, allez hop. On va faire sa petite revanche! Bingo! Tu lances ton colis. Comme ça, tu lances ton Predator, le temps que le collier arrive, t'as ton Predator, et puis voilà. Généralement, tu perds un peu moins de temps. Chose que j'aurais dû faire, mais que je n'ai pas faite. Ce n'est pas grave. Ah! C'est Balibalo, ça. Allez, encore un Predator. Bah, j'ai besoin de faire de l'expérience, j'ai besoin de faire du kill, hein. Donc, allez, hop, hein. C'est parti, c'est le début. Ah, putain, la fenêtre, elle est pas passée. Bon, logiquement, ça se passe plutôt correctement, hein, jusqu'à maintenant. Donc ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce que... Je suis pas forcément fan de cette map Favela, mais honnêtement, s'ils nous la mettaient dans un map pack sur Ghost, je serais quand même relativement content. Hein. Je sais pas vous, mais ça ferait plaisir. Alors vivement la fin de la partie pour éviter de se faire tuer. Oh putain, voilà, comme par hasard, je vais être le seul clown à me faire buter par ce putain d'arrière. Bah voilà, bah j'en étais sûr, bordel de merde. Donc, comment ça va le live? J'espère en tout cas que pour vous ça marche bien. Tu pourras aller voir si t'as reçu des invitations d'amis. Allez, on va voir ça. Je vous ajoute en ami, vous êtes là pour le premier live, sur la première fois que je fais un truc sur ce gameplay. Donc j'ajoute tout le monde sur ce compte. Alors allez-y, allez. Récompense de participer au live, je vous ajoute tous en ami. Enfin, tout ce que je peux, hein, bien évidemment. Donc, je lirai les messages après, mais en tout cas, je les lis généralement, les messages sur Xbox. Je réponds pas tout le temps parce que écrire sur Xbox, c'est vraiment chiant. Donc, je m'en excuse si je réponds pas. Parce que, mais au moins je les lis, donc le message est passé, c'est tout ce qui est l'important, et en tout cas je voudrais vous remercier pour, en général, c'est vrai qu'il y a énormément de messages de soutien, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur, j'allais dire Facebook, mais j'ai pas de Facebook, donc il n'y en a pas, sur Xbox, sur PS3, il y en a plein, et franchement ça fait extrêmement plaisir, donc vraiment merci à tous, encore une fois, c'est vrai que, voilà, oh ça pique, voilà, ça c'est un bon pseudo ça, oh ça pique.
Et effectivement, si tu te fais tuer par ça, tu vois en dessous, si tu te fais tuer, si joue joliment, je ne sais pas, et tu vois, oh, ça pique. C'est pas mal, c'est bien trouvé, bien joué. Donc allez, bah, j'ajoute tout le monde, bah, le temps que, voilà, le temps de chargement de map, je sais pas quelle map c'est, mais de toute façon, accepté, voilà. Une burne. J'ai une burne, un ami. Ah putain, il y a des pseudos des fois, c'est vraiment rigolo. Alors j'ai que 100 en place, hein, donc si vous voulez que je vous ajoute en ami, j'ajoute tout le monde aujourd'hui sur le live, mais il faut vous dépêcher parce qu'après s'il n'y a plus de place, bah il n'y a plus de place. Hein, je vais pas forcer, je vais pas supprimer une personne que je viens d'ajouter si vous imaginez bien que ce serait dégueulasse, tu vois. Non, 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 toi non, 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 non. Généralement, je garde tout le monde en ami, juste que si je vois que quelqu'un n'est pas connecté pendant longtemps, bon bah je supprime pour laisser la place à d'autres personnes, ce qui est totalement logique. Ah non! Putain de bordel de merde à cul de chiotte! Tiens, je t'ai eu, un bâtard. Hein. Tiens, je vais prendre ton mini-usi, je vais prendre ma revanche avec ta propre arme sur ta gueule. Alors là, je sens que la connexion est pas au top. Et ça, c'est un des problèmes que j'ai généralement quand je joue. C'est-à-dire qu'avec la connexion française. C'est-à-dire que. Enfin, sur des abonnés qui me rejoignent. Là, il y a 3 barres, mais souvent, bah, comme je suis au Mexique, beaucoup de gens me rejoignent et automatiquement après la connexion, elle bascule sur une connexion française. Et vous doutez bien que pour moi, bah, c'est vraiment pas vraiment jouable. Alors de temps en temps, comme ça, pour faire des open lobby, pour jouer ensemble, il n'y a pas de problème. Mais je peux, vous doutez bien que je peux pas jouer tout le temps comme ça. Sinon, je pèterais un plomb encore plus que je fais d'habitude, et donc ça serait pas jouable. Hein. Putain, tu m'as pas le temps de la coller la Semtex, hein. Et là, effectivement, il y a un léger temps de retard, même si ça peut encore aller. Ah, ah putain, quelle horreur. Je crois que je suis en ligne, hein. Mais ensuite, je me mettrai en ligne pour que vous puissiez me rejoindre si vous voulez. Comme ça, on fait un petit open hobby, on en profite. Hein. C'est sur du MW2, on s'en fout, on est là pour s'amuser. Et donc, comme ça, si vous voulez rejoindre, on joue ensemble. Même si la connexion, je vous le dis tout de suite, parce que des fois, je fais des open lobby, je fais des parties avec les abonnés. Ils disent, ouais, je comprends pas, la connexion a pu la merde. Mais j'habite au Mexique, vous habitez en France, faut pas s'attendre à ce qu'on ait 4 barres tout le monde. Hein. Ça, que les choses soient claires. Hein. Donc, bon, bah voilà, c'est comme ça, hein. Mais au moins, on joue ensemble, on rigole, on passe un bon moment. C'est tout ce qui est important, j'ai envie de dire. Le reste, hein, on n'est pas là pour chercher une performance quelconque. Mais bien entendu, je peux pas faire de match privé parce que bah, j'ai besoin d'expérience, mon compte est tout neuf. Fils de pute! Merde, je suis en live. Oh, ça va. Eh, les gens disent je rage, sans blague. Dites-moi. Putain, l'enculé de ta mère en plus, il a morphine. Dites-moi quelqu'un qui joue à Call of. Est-ce que vous avez joué à Call of? Dans toute l'histoire de votre vie que vous avez joué à Call of, vous avez jamais ragé? Non, excuse-moi, faudrait pas. Faudrait pas me prendre pour un con. Et comme on dirait, qui n'a jamais ragé ne me jette la première pierre. Et je pense que je recevrai aucune pierre, bien évidemment. Oh, ça lag. T'es sûr qu'il y a 3 barres là? Ou t'es en train de me prendre pour un con? Ouais, des fois l'ordinateur. Ça, c'est vrai qu'ils ont retiré les barres sur. Sur Ghost. Ce qui est quand même une bonne décision parce que souvent, bah. Tu vois, je dis j'ai 3 barres. Ça va bien, mais finalement, non. Puis des fois, quand t'as 2 barres, ça va bien, mais comme t'es omnibulé par les 2 barres, finalement, t'as toujours l'impression que ça lag. Alors que finalement, faut mieux, des fois, un 2 barres qui fonctionne bien plutôt qu'un 3 qui lag. Voilà. Ça paraît logique, c'est con à dire, mais c'est comme ça. Oula, Pavlo, Arié, tout ça. C'est la fête du village. Hein. Allez, je vais prendre la petite M4 qui est vraiment magnifique. Silencieuse en plus, tu vois. Comme quoi le monde est bien fait. Je crois qu'il y en a un qui campe là-haut. Je vais aller le chercher de toute façon. Regardez, hop. On va faire un trick shoot. Trick shoot, ma gueule. Ah l'enculé l'a profité, hein. Bien joué.
Oh putain, on a perdu, merde. Ouh, 12-16. Ah ouais, effectivement, c'était mauvais. Donc de toute façon, je vais quitter, je vais relancer. Parce que bah, c'est pas terrible comme ça. Hein. La connexion était pas au top. Puis comme ça, bah, si vous voulez rejoindre, rejoignez. Ça craint grave le Mexique, ça dépend. Bah, il faut. Je lis les commentaires sur Twitter aussi. Il faut savoir où est-ce qu'il faut aller, quoi. Il y a des endroits où tu vas, des endroits où tu ne vas pas. Alors pour les demandes d'ajout en ami, bah, j'en ai pas mal. Je ne vais pas tout accepter là, je vais en accepter 2-3. Parce que bien évidemment, vous doutez bien que bah, tiens, j'ai fait un live super intéressant, j'ai ajouté des gens en ami. On s'en bat les couilles, ça. Mais bon, voilà, pour que vous puissiez. De toute façon, je pense que vous savez comment ça fonctionne sur Xbox. Pour rejoindre, vous n'avez pas besoin d'avoir la personne en ami. Je pense que vous lancez une invitation et ensuite, avoir lancé l'invitation, vous allez dans joueurs récents ou un truc comme ça et vous mettez rejoindre. Donc là, je vais mettre en ligne. Voilà, donc la connexion va être mauvaise, certes, mais au moins on jouera ensemble. Et ça peut être sympa. Alors hop hop hop. Ah, Woodland, ça y est, j'ai le camouflage que je préfère. Le Woodland sur Ghost, vraiment malheureusement, est très moche. C'est un peu chiant, mais bon. C'est comme ça. J'aime pas trop cette map là. Alors comme j'ai dit, hein, les new, faut que je les enlève à chaque fois, ça me stresse. Un new title, voilà, on s'en bat les couilles en plus. J'aime bien garder celui-là, c'est comme sur MW3. J'ai le titre et l'emblème du début, voilà. Par contre, le woodland, enfin le boisé, le camouflage blasé sur... Boisé sur... comment ça s'appelle? Sur MW3 est très joli. Et je pense que le plus joli sur les armes, c'est vraiment Black Ops 2. Et le plus moche, c'est Ghost. Voilà, donc franchement, j'étais vraiment déçu sur le camouflage de Ghost. Je pense qu'ils ont voulu faire des camouflages beaucoup trop précis, beaucoup trop de détails. Et c'est pour ça que le camouflage que tu as avec le Season Pass, le camouflage Ice, beaucoup me demandent, mais comment tu as ce camouflage? Bah, c'est avec le Season Pass. Et le plus joli parce qu'il est simple, voilà, deux couleurs, des gros traits, etc. Voilà, on le voit vraiment nettement. Quand il y a trop de détails, ça fait pas terrible. Donc là, souvent il y a des gens qui arrivent de ce côté-là. Merci Pink Panda 89 pour jouer comme un bâtard. Oh putain! Les mecs, ils vont. Avant, les gens allaient au pré-shoot avec le snipe. Ça, c'était avant. Maintenant, les gens vont au pré-shoot avec des armes faciles. Donc, juste par pitié, hein, si vous rejoignez ma partie, je vous oblige pas à jouer au snipe. Hein, je vais pas dire mettez-vous au snipe, alignez-vous que je fasse des clips. Non, absolument pas. Mais par pitié, par contre, ne jouez pas comme des noobs. Voilà, c'est tout ce que je demande. Snipe ou pas, c'est à vous de voir. Parce que s'il y a des gens qui sont pas forcément très, très habiles au snipe. Et je vais pas vous demander de vous mettre au snipe, sinon après bah, vous allez vous faire massacrer, puis on va croire que je suis fort après au snipe, et c'est pas le cas. Donc jouez comme vous voulez, juste ne jouez pas comme des noobs. Je veux pas non plus faire un snipe lobby. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien dire allez, vous j'avais jamais aimé au snipe, c'est pas grave, rejoignez ma partie, comme ça je vais pouvoir vous massacrer, ça va être super facile. Bah non, c'est pas le but. Le but c'est qu'on s'amuse tous. Merde, je l'ai loupé. Bon, voyons voir de quel côté ça varie. Ouh, petit jump, la grenade. Merde, putain. Alors là, des fois, l'intervention est vraiment le sniper avec lequel j'ai le plus de mal à distance. Vraiment, je crois que c'est un des snipers les plus difficiles. Contrairement au balista où c'était franchement sympa. Mais à l'intervention, c'est pas toujours le cas. Aïe aïe aïe. Mon chien qui s'excite un petit peu. Il doit y avoir du mouvement dehors. Effectivement, bah, il nous prévient dès qu'il y a un intrus et tout, ça protège. Quelle heure est-il? Il est midi 28. Ah, c'est peut-être ma copine qui rentre, on va savoir. Allez hop hop hop. Bon, je vais pas. Est-ce que. Là, je suis sur MW2 parce que franchement, je reprends du kiff. Tiens, tiens, bâtard, prends ça à ta gueule. Je reprends du kiff à jouer sur ce jeu-là.
Putain, mais comme par hasard! Mais après, bah aujourd'hui c'est live MW2. Et demain je ferai un live sur un autre Call of. Je sais pas encore lequel. Putain, la headshot qui a pu passer. Hein. Je sais pas encore lequel. Mais en tout cas, bah, je vous demanderai sur Twitter quel est le Call of que vous aimeriez voir demain en live. Je vous demanderai demain. Puis après, ça dépend aussi de mon humeur. Parce que il y a des fois, tu dis, tiens, j'ai envie de jouer à ce jeu-là. Puis des fois, t'as pas envie. Et puis voilà, des fois, t'as envie. Et ainsi de suite, quoi. Hein, vous avez compris. Bon, voilà, il me reste 60 kills pour avoir passe-passe pro. Donc. Putain, putain. Allez, on assure. Ah, putain, qu'est-ce que tu viens foutre là? J'ai assuré le kill quand même, c'est tout ce qui est l'important. Il y a du monde là. J'en ai eu un quand même, c'est pas grave. Allez, tiens, moi je vais en profiter pour avoir mon petit colis stratégique. Même si j'imagine que je vais avoir la chance que quelqu'un arrive à ce même moment là. C'est pour ça que je m'écarte un petit peu. Pour mettre mon drone, tiens d'ailleurs. Hop, y'a personne. Allez hop. Oh, des munitions, bordel, vas-y, je te laisse. Coquin, je t'ai vu. Je t'ai vu, petit chenapan. Oups. Mauvaise décision. Bon, allez, on y retourne de l'autre côté. Alors, c'est pas grave, hein, parce que bon, c'est toujours ça, hein, t'as le camp ennemi. Puis tu vas essayer de le pénétrer d'une façon ou d'une autre. Et si ça ne marche pas, bah t'essayes une autre solution. Hein. Ah voilà, il est là. Putain. Oh mais merde, j'ai tiré, bordel! T'as pas vu que j'ai appuyé sur le bouton? Putain. Ah bah non. On va essayer de prendre de ce côté-là. Bon bah alors il y a l'air de plus avoir grand monde, putain c'est quoi ce bordel? Peut-être qu'ils ont essayé de faire le tour aussi. Oups. Ou pas, non mais il y a la tourelle. Qu'est-ce que je fais moi? Allez tiens, petite jump. Ah, je voulais prendre le Desert Eagle, dommage. Ah bah je suis arrivé derrière donc du coup c'est que ça a tourné. Allons chercher ça tranquillement. Ah, il a le Pavlo. Donc là, je pense qu'il va faire un petit massacre. Il est où? Putain, je vois rien, bordel! Ah bah, il manquerait plus ça que je me fasse avoir, sans blague. Ah mais je l'ai pas, bordel! Putain de merde, des hitmarqueurs de merde! Je veux pas copier sa classe, hein. Ça va. Là, comme ça, j'ai une bonne petite vision. Eux aussi, voilà, eux aussi ont une bonne vision sur moi. Donc voilà, c'est une petite partie qui tombe un petit peu, j'ai envie de dire, en partie de merde. Donc, après ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre du match à mort. Je vais changer de mode de jeu pour essayer d'avoir un truc un peu plus dynamique. Parce que là, match à mort, des fois, ça risque, ça endort un peu, voilà. Mais je sais pas si je vais avoir le choix, parce que c'est pareil. Là, c'est le début, j'ai pas forcément le choix du match à mort. Il est où, il est où, il est où, il est où, gamin? Ah putain! Bon, alors. Quel atout tu mettrais sur une classe sniper en hardcore? Je sais pas. Silencieux peut-être. Mais bon, encore que. Alors. Alors, c'est parti.
Ah, je peux. Tiens, alors, je vais quitter. Je vais pouvoir régler mes killstreaks. Voilà, qu'est-ce que je vais changer? Parce que le colis stratégique, je suis pas toujours très fan. Et là, j'ai le droit à 1. Je vais mettre ça. Allez. Clantag, tout ça, on s'en bat les steaks. Donc, voyons voir le mode de jeu. Ah, voilà, bah, j'ai la guerre territoire. Alors, on va essayer la guerre territoire. En espérant qu'il n'y ait pas trop de lance-patates. C'est pas toujours dit parce qu'en guerre territoire, des fois, c'est un petit peu le dawa. Mais c'est pas grave. Putain, mais tu vas y aller, oui. Ce spécialiste. Eh oui, effectivement, c'est moi. Ouh, match à mort des rails. Youpi, j'adore. Non. Est-ce qu'il peut pas me mettre sur Terminal? J'adore Terminal ou High-Rise, mais malheureusement, je tombe rarement dessus. Moi, c'est toujours Underpass. Ou non, non, attends. On va changer à une autre map. Oh, voilà. Skid-Row Domination, ça peut être sympa. Quand est-ce que je vais avoir Passe-Passe Pro, là? Pas encore. Bientôt. Bientôt. En espérant de rester sur cette map-là. En attendant, je vais faire des petits ajouts en ami, voilà, que moi tout le monde met. Comme j'ai dit, hein, premier arrivé, premier servi. Comme ça, bah, tous ceux qui sont présents dans le live peuvent m'ajouter en ami jusqu'à temps que la liste d'amis soit pleine, parce que après, je peux plus ajouter de gens. Et on a le droit qu'à 100 personnes, je crois, sur le Xbox Live. Je sais pas que je crois, je suis sûr. Bon, bah, tranquillement. Oxygène, voilà, dédicace à tout le monde. Donc, je pense que pour l'instant, ça va bien. Dites-moi si c'est toujours bien au niveau de la qualité, au niveau de tout ça, si tout se passe bien. Dites-le moi si quelqu'un peut m'envoyer un message sur Twitter en me disant si la qualité, s'il n'y a pas de décalage de son, si tout se passe bien. S'il vous plaît, parce que c'est vrai que le chat, j'ai des fois du mal à voir. Et comme ça, je pourrais savoir, parce qu'à chaque fois, il y a un décalage du son qui se crée avec le temps. Et donc, je suis obligé d'arrêter le live et le relancer. Voilà. Donc, ah, j'ai reçu des petits tweets. Oui, bon. Nickel, merci. Pourquoi ça lance pas là? Pas de gens ou quoi sur Xbox? Elle est morte la console. Et ça c'est vraiment dommage parce que tu vois à la limite j'ai la Xbox One, je dis ouais j'aimerais bien en profiter mais si tu veux jouer à MW2 t'es obligé d'y jouer sur PS3 ou Xbox 360. J'ai pas la PS4 mais donc du coup bah, c'est un peu con quoi. Allez hop, on va ajouter jusqu'à temps que ça lance. De toute façon il y a l'écran de chargement de la map, on en a rien à foutre, hein. Je pense que vous connaissez Skid-Row. Voilà. Allez, allez, charge, 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 charge. Ah, c'est parti. Allez, hop! La connexion, ça va, c'est moi l'autre. Yes! Alors, s'il y a des gens qu'on rejoint, vous allez laguer. Eh oui, effectivement. Allez, tout le monde va prendre le point C pendant que je vais prendre le point A. Voilà, c'est la règle. Aujourd'hui, on y va. Allez prendre le point C. Moi, je vais aller chercher le point A. Merde, je suis tombé dans le couloir. Je fais attention parce que là. Il est où? Ah, il est là! Oh merde! Bien joué, bien joué, bien joué. Non! Alors, je vois déjà un qui a rejoint, puisqu'il a SRR, mon blaze en pseudo. Bah, j'ai pris ce GT-là parce que. Parce que voilà. Fallait que je choisisse, il y en a plein qui étaient pris. Puis je voulais un truc relativement court en fait, c'était ça le but. Donc je trouvais que celui-là était sympathique. Oula, il y a du monde dans le couloir. On va se prendre une quad, tu vas voir. Waouh, quad! Je l'avais dit. Mais pas au sniper, au lance-patate. Voilà. C'est pas terrible, c'est moche même.
Mais écoutez, il y a des gens, ça leur fait plaisir. Oh putain, gros fils de pute, va! Allez, je vais pas y retourner parce que j'imagine qu'il va avoir machine de guerre, ce bâtard. Et puis, il va débloquer ses kill streaks de pute. Merde. Moi, je vais faire le tour. Le problème, c'est que si jamais il y a des gens qui ont rejoint et qui regardent le live en même temps, ils savent ce que je fais. Et donc, du coup, ils ont l'avantage. Mais non, mais casse-toi, putain, avec ton harrier. Ah, voilà. Putain, on s'est fait dominer en plus. Oh putain, encore lui avec son lance-patate. Décidément, il nous casse les couilles. Hein. J'étais un peu concentré, je me dis, il y a du monde. Bon, voilà, c'est exactement ça que je parlais tout à l'heure et que je voulais pas. C'est-à-dire tout le monde au snipe dans le couloir de Skid Row. C'est pas intéressant du tout, quoi. Je veux dire, ouais, ok, tu vas faire du kill et tout, mais finalement, bah je veux dire, t'as pas besoin d'être fort, quoi, pour arriver à faire du kill, quoi. Mais je vais en profiter pour faire mes éliminations, pour avoir passe-passe pro, et finalement, bah, c'est tout ça qui compte. Putain, il faut que je débloque... Oh, ça lag un peu, hein. Ça lag un peu, mais en plus, c'est moi l'autre. Donc c'est de ma faute. Bah ouais, forcément, là, en guerre, par contre, si je supporte la connexion pour tout le monde et que la moitié est en France, ouais, effectivement, ça va pas le faire. Allez, un petit kill pour le Predator, au moins. Pour que je puisse détruire le Shepherd Gunner. Alors là, est-ce qu'il y a des gens qui vont arriver là-dedans? Putain, y'a personne. Ah, oh, putain, hit marqueur, quoi. Oh là 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 là. Mais de toute façon, il va nous débloquer la nuque, ce fils de... À jouer un peu comme ça. De toute façon, je veux dire honnêtement, débloquer la nuque sur MW2, c'est un peu une des choses les plus faciles à faire. Dans le sens où t'as le harrier, t'as le chopper gunner, tu fais 7 kills à l'arme et encore. Et grâce à ça, voilà, c'est tout. T'as ta nuque. Donc 7 kills pour avoir une nuque, c'est pas très difficile. Ah là, c'est un combat qui strike, c'est par contre c'est un petit peu relou. Hein. C'est un peu chiant le combat de kill streak, mais bon. Allez, on va prendre A. Je me casse parce qu'elle a que ça patate là, putain. Oh putain, ça va chier. Allez, je lance mon Predator aussi. Ah non, putain. C'est moi l'autre et c'est moi qui lag, bordel de merde. Normalement, c'est les autres qui devraient laguer, pas moi. Bien joué. Ah, effectivement, je peux pas être l'hôte en guerre. Ça me pompe beaucoup trop de connexions avec le ping qu'il y a. Allez, coquille. Dommage. De toute façon, là, je veux dire... voilà, domination sur Skid Row dans le couloir. On est tous là, tirés d'un bout du couloir et de l'autre. Bon, c'est pas très intéressant, franchement. C'est vraiment pas ça que je veux montrer sur l'open lobby. Parce que comme j'ai dit, c'est pas difficile de faire des kills et c'est sans intérêt surtout.
Là, je crois qu'on va se prendre encore une patate. Voilà. Putain, mais ça me saoule que moi, je lag alors que je suis l'autre. Je devrais faire laguer les autres, pas moi. Et finalement, bah, je l'ai même dans le cul. Même si je suis l'autre, j'ai dans le cul. Oh, Hitmarker! Chier, bordel. Je vais faire des éliminations, je vais avoir mon passe-passe pro, là. Comme ça, à partir d'après, bon, je vais enlever la guerre, parce que, effectivement, c'est pas terrible, la guerre, quand on est trop comme ça. Oh, le ralentissement! Je crois que je vais lancer après peut-être juste de la domination toute simple, hein, pour juste qu'il y ait un peu de dynamisme, mais sans avoir bah, forcément le lag qui arrive comme ça. Si on est moins de joueurs, ça serait un peu mieux. Ou peut-être de la mêlée générale, je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez voir? Décidément. Ah! Oh mais putain, et ouais, voilà, les mecs, je veux dire, on est en 2014, MW2 est sorti je crois en 2012 si je me trompe pas. Les mecs sont toujours à jouer au lance-patate. Alors tu vas me dire, nous on est toujours en train de jouer au sniper. Mais excuse-moi, le sniper c'est pas un truc de fils de pute comme le lance-patate quoi. Putain alors lui... Oh qu'est-ce qui me casse les couilles. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas... Je peux rien faire. Bien joué. Oh là là, vivement que la partie se termine parce que très honnêtement, c'est le genre de partie que je déteste faire. Mais bon, comme je suis l'hôte, je vais pas me casser comme ça. Ça se fait pas. Mais franchement, je déteste ces parties comme ça. Mais mec, je lui ai tiré sur le tas là, bordel, ils étaient tous alignés en plus, comme par hasard. Putain, coquille mon pote. Allez, c'est parti aux barrettes, mon pote. Les mecs, je jouais pas aux barrettes, sans blague, ça... Enfin, ça a aucun style de jouer aux barrettes, c'est... Mais bon, après, les gens jouent comme ils veulent, hein, mais... C'est pas terrible, jouer aux barrettes, quoi. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Enfin, la fin de la partie, parce qu'ils commençaient à en avoir marre. C'est les parties que je déteste. C'est pas intéressant du tout de jouer comme ça. Alors, vous voulez de la mêlée générale? Je pense que ça va être un peu plus intéressant, surtout si si vous rejoignez Mêlée Générale, ça va être un peu mieux. Non, 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 pas ça. Mêlée Générale, voilà. Mêlée Générale, ça va être un peu plus intéressant, surtout pour les problèmes de connexion. Si jamais bah, vous rejoignez, au moins ça évitera des problèmes. Ouh ! Overground ! Putain ! Allez, en plus, là, on est... Ouh, je sens que lui, il va gérer.
Merde, merde, merde. Eh, hey, t'es où? Comment ça? J'ai cru en entendre rien. Je suis parano, t'entends des bruits de pas partout. Après, t'es là, tu dis, mais où sont-ils? Je vais me faire buter encore. Putain, merde. Vite, vite, vite. Oh là. C'est pas pour moi. Dis donc, j'ai de la chance, hein, parce que généralement, moi, un prédateur, c'est pour ma gueule. Oh bah si, c'est bon, t'es pas obligé de prendre ton arme secondaire non plus, hein. Bon, c'est pour ça que le harrier, je veux pas le prendre parce que... Oh là là, alors les mecs, comme... Putain, les mecs, ils sont encore en train de camper, quoi. Ça, c'est des trucs que j'ai jamais compris. Pavlo, harrier, plus camping, plus map pas terrible. Je vais pas faire le rageux, mais je vais pas la jouer, hein. Faut pas exagérer non plus. Donc, on va voir ça un peu comment ça se passe. Les titres, tout ça, je m'en fous, de toute façon, je change rien. J'ai peur que si je relance la mêlée générale, je tombe sur la même partie. J'ai un petit peu peur. Allez, on va la tenter, on va la tenter. Me remets pas sur la même, s'il te plaît. Ah putain, j'en étais sûr, bordel de merde. Y a qu'une seule partie en mêlée générale pour que tu mettes sur la putain de même partie qui est horriblement chiante à jouer. Je veux dire, j'ai pas joué là-dessus. Je veux dire, je suis désolé. Non, 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 non. Je vais lancer du match à mort, voilà. Et un peu plus sympa. Et je pense qu'en plus, là, si la partie est entière, je vais devoir arrêter et relancer le live pour éviter justement ce problème de décalage de son. Voilà, un petit vote s'il vous plaît, parce que c'est des rails, on l'a déjà fait, et des rails n'est pas forcément la plus sympathique à jouer. Voilà, hop. Merde, votez, 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 skip, skip, skip. Merci. Yes! Terminal! Ah, j'aime bien cette map-là. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Voilà. Que ça se passe bien pour vous le live. Que si vous avez rejoint, je lag pas parce que ma connexion de 121. Je lag pas. Ah, voilà, alors attendez. Je vais faire un petit tweet quand même. Allez, c'est parti sur Terminal. Vraiment une map, une des meilleures maps de l'histoire de Call of. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment une map géniale. Ils nous l'ont resservi avec vraiment un immense plaisir sur MW3. Oups, dommage. J'ai un petit peu trop foncé dans le tas. Et bon, je me doute qu'ils vont pas la ressortir sur... comment ça s'appelle? Sur Ghost. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. C'est quand même mieux la connexion quand on est en match à mort. Il y a beaucoup moins de personnes. 6 personnes en moins à prendre en charge sur la connexion. Franchement, ça fait la diff. Hein. Surtout être l'hôte, des fois c'est un peu pesant. Hein. Pourquoi j'ai jeté ma Semtex, moi? Des fois tu prends des décisions dans Call of, tu dis c'est vraiment une décision de merde. Hein. Mais tu l'as faite. Voilà. C'est ta décision à toi. Merde. Ballroom Hero! Faire le tour. Non. Pas pris. Bon, venez là! C'est un bon spot ici pour faire des kills. Mais il n'y a personne qui vient. Merde, 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 je me suis fait voir.
Merde. Bien joué. Putain, tout à l'heure, ils étaient tous là et je sais pas pourquoi, je me suis accroupi comme un con. Encore une fois, on parlait des mauvaises décisions. C'en était une. Allez, c'est parti. Ah merde, il m'a pas laissé faire mon rush, bordel. Ah, c'est tendu, c'est tendu. Invisible corne. Oula! Merde. Oh merde, je me fais prendre par derrière. Et ça fait pas du bien, moi ça je peux vous le garantir. Vivement ce passe-passe pro qui se fait languir. Je sais pas si avec passe-passe pro ça va aller mieux. Ah putain, mais c'est quoi les hitmarkers? Et ça a changé de côté. Déjà à la fin de la partie. Putain, j'ai fait une partie de merde en plus. Fait chier, bordel. C'est chaud sans passe-passe pro. Bah, c'est pas. Tu sais pas jouer, Ro, Joyce, bâtard. Bah. Oui, effectivement, je sais pas jouer. C'est difficile pour moi, mais bon. Son du jeu et image décalée. Ouais, donc du coup, je vais arrêter live et je vais refaire un truc. Et Joyce, toi, t'es un pro sur MW2, c'est pas la peine de te la péter, mec. Hein. C'est pas... Voilà, on n'est pas aussi... Je serais aussi fort que toi, dis donc. Je serais content. Hein. Bon, apparemment, il y a un petit décalage de son, donc je vais quitter le live et je vais le relancer. Allez, il y en a pour 30 secondes. À tout de suite. Yes, on y est. Donc voilà, c'est reparti. Logiquement, il devrait y plus avoir décalage entre le son et l'image. Et c'est pour ça que je rafraîchis, que j'arrête le live et que je relance pour que ça... Parce qu'au niveau du boîtier d'acquisition, en fait, il va transmettre le live. Mais il y a un espèce de micro-décalage et avec le temps, ça se creuse, ça se creuse, ça se creuse. Et après, il y a un décalage. Donc du coup, si tu arrêtes et que tu relances, ça revient à zéro, ça réinitialise. Et logiquement, ça va bien. Donc on continue. Et de toute façon, jusqu'à ce que j'ai pas ce passe pro, et après je pense que j'arrêterai peut-être le live, sauf si bah, vous êtes nombreux à me redemander de continuer. Allez là, il va y avoir du monde sur le pré-shoot. Allez, hitmarker. Fait chier, bordel. Oh putain! Ah! Non! Et ils étaient tous alignés. Bon, allez, c'est pas grave. On s'en fout du pré-shoot d'Air Rise. On y va dans la partie normale. Putain de hitmarker. J'ai un peu de chance. Ouh, j'ai passe-passe pro. Yes. Voilà. Donc normalement, ça devrait aller. J'espère. Voyons voir. Je sais pas si c'est effectif tout de suite ou c'est quand je meurs ou après la partie. Je ne sais pas. Alors on va faire un peu de kill quand même pour rattraper ça.
en plus, il avait morphine. Eh, prenez pas morphine, les gens. Franchement, c'est vraiment un truc de bâtard, morphine. Hein. C'est ça le problème des connexions, il y a toujours un petit décalage. Ops. Bon. Ça c'est oh putain Pavlo Arié. Ah merde! Effectivement, j'étais habitué sans passe-passe pro, maintenant que je l'ai, faut que je me réhabitue avec cette visée plus rapide. Normalement, ça va prendre un petit peu moins de temps. Ah! Bon. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Bon après c'est pareil, hein. Il y a des gens peut-être qui sont habitués à jouer MW2, qui savent les spawns, etc. Moi personnellement, je sais pas trop où il faut se placer. Donc en espérant que... Ah merde! Allez, je vais essayer de me concentrer pour essayer de faire du mieux quand même, parce que là, allez, on va ramasser cette intervention avec FMJ. Finalement, il y a eu quand même un hitmarker, donc ça n'en joue à rien pour avoir moins d'hitmarker. Tous les gens qui prennent FMJ prenaient plutôt chargeur amélioré, quoi. C'est où ça a tourné, hein. Merde. Je vais pas lancer mon prédateur, ça sert à rien. Voilà, c'est terminé. Je galère un peu encore. Le live reprend quand? Bah le live, il est là. Il marche le live. Pourquoi ça lag à mort? Non, alors ça doit venir de toi parce que beaucoup disent que ça lag pas. Donc, on va voir la map. Allez, on va voter, on va voir la map. Sinon, je vais lancer de la mêlée générale pour la dernière partie salvette. Je pense que tout le monde l'a pas. Allez, on va lancer de la mêlée. Merde, putain, j'ai du mal. J'ai toujours l'habitude qu'il y ait un double menu. Et de toute façon, bah, le live s'est plutôt bien passé pour le moment. Bon, effectivement, je suis pas encore super à l'aise avec MW2. Je vais m'entraîner. Ça, c'est une certitude pour essayer de montrer un bon truc. Ouais, je vais voter cette map. Je vais m'entraîner, puis voilà, pour proposer... Votez. Pour proposer d'autres gameplays. Skip. Yes, terminal, voilà, parfait pour finir le live. Parce que au bout d'un moment, bon voilà, c'est pareil, moi j'ai envie de faire une pause. Hein, et je referai un live de toute façon demain. Je vais essayer de faire un live tous les jours. Alors, je promets rien, je vais essayer tous les jours un live sur un call-off différent. Parce que ça va être difficile de faire un call-off, changer. Non, je vais essayer de faire un live sur chaque call-off, un call-off différent chaque jour. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je vais faire un live, je vais le faire sur un seul call-off et essayer justement de faire ça.
Après, entre ce que je dis, ce que je vais faire, il y a toujours. À chaque fois, j'annonce des plans et finalement, bah, je change tout. On verra, mais pour l'instant, je vais arrêter le live après ça. Puis moi aussi, j'ai faim et c'est l'heure de bouffer pour moi. Après, je vais me reposer. Merde. Un petit peu de mal. Alors par contre, ça va être le problème des connexions, c'est toujours les hitmarkers. Et je suis l'hôte, mais ça n'a jamais été mon avantage. Bah, effectivement, si t'es l'hôte et que t'as 4 barres et que tout le monde a 2 barres, bah, y a quand même un lag. Hein. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Bien joué. Oh bah reste pas là mec. Oh putain, je suis mauvais. Putain d'enculé avec ta morphine toi! Oh t'es vraiment un bâtard hein! Jouer avec morphine sans blague! Oh, oh le fils de pute! Oh merde! J'essaie de me concentrer quand même, faudrait pas que je la perde, mais je pense que ça va être mal parti pour la gagner. Putain. Je suis tellement sûr d'avoir les mecs en plus. J'ai un sérieux problème d'ajustement. Et je pense que ça doit venir au niveau de ma sensibilité. Qui doit pas être adapté par rapport à mon style de jeu. Alors il y a un mec qui joue au couteau. Galère. Oh putain! C'est pas le même qui était tout à l'heure en. Comment s'appelle en morphine? Ah putain. Je commence un petit peu plus à prendre mes marques sur ce jeu. Légèrement. C'est pas encore le top. Oh la quad feed! Oh vous l'avez vu? Oh, oh, oh. Petite quad feed en mêlée générale. Et j'ai loupé la 5OS. Hein. Dommage. Bon, ça fait plaisir. Une petite quad feed sur MW2 en live. Je disais que j'avais repris un petit peu mes marques. Bah tu vois, finalement, ça a payé. Dommage, putain, j'ai loupé le cinquième pour la 5OS. Là, par contre, c'est vraiment dommage. Allez, hop. On va gagner la partie finalement.
Ouais, je suis pas trickshotter, hein. Je rigole. J'ai voulu faire pour le fun, mais je suis absolument pas trickshotter. Je sais pas quoi faire, donc du coup, je vais rien faire. Oh, tu vois, quand c'est à la fin de partie comme ça, t'as plus d'enjeu. T'es un petit peu relax. Donc tu t'as rien à foutre. Du coup, je vais y aller un petit peu fun comme ça. Je vais y aller en noscope, en merdouille. On verra bien. De toute façon, on s'en fout de la victoire. Bon allez hop, on y va, on va gagner. Allez hop, c'est parti. Je suis content pour une petite quad feed en mêlée générale sur MW2. Ça, ça fait plaisir. Et oui, justement, je lis le tweet. Alors bon, c'est du sniper lobby pour la majorité, donc c'est pas non plus du genre... Bon, et je suis l'hôte, mais au final, bon, je suis quand même content, on s'en fout, hein, de toute façon, on est là pour s'amuser. On va voter la map, et si c'est une bonne map, on continue, si c'est une sale map, on arrête. Est-ce que vous voulez continuer? Envoyez-moi un message si vous voulez continuer sur Twitter, envoyez si vous voulez continuer le live ou si vous voulez arrêter le live, dites-moi. Et je verrai en fonction si les gens disent « Ah, on va partir, tout ça ». Je voyais encore des petites personnes qui sont en ligne. Dites-moi surtout si ça marche bien, s'il n'y a pas de lag au niveau du son, au niveau du décalage. Normalement, non, puisque j'ai arrêté, j'ai relancé, donc logiquement, ça devrait être pas mal. J'espère. En tout cas, dites-moi si tout va bien sur Twitter, parce que des fois, je vois pas sur le continu, ça marche super. Montre-nous tes fesses. Merde, je me suis pas lavé le cul ce matin, demain peut-être. Continue, continue. Bon, beaucoup. Arrête, je dois aller manger. Et bah, effectivement, moi aussi, je dois aller manger. Donc, écoutez, on va faire une petite dernière en espérant que ça se passe bien. Je suis désolé si j'ai muté, mais après, ça fait une cacophonie dans le live. Et donc, du coup, bah, c'est un peu le bordel. Et je peux pas avoir et enregistré et envoyer ma voix sur live et parler sur le micro. Je peux pas faire, donc je suis vraiment désolé. Donc, apparemment. Tout le monde a l'air satisfait, donc tant mieux. Mais bon, moi après c'est pareil, hein, j'ai des choses à faire aussi. Donc je vais devoir aller manger et je ferai la rediffusion du live ensuite sur la chaîne si vous voulez regarder. Dédicace à The Parasite. Salut! Désolé si je mute, mais c'est parce qu'après ça fait un écho. C'est pas... Putain, vite, ils sont où? Ah, j'étais perdu! J'étais perdu! Regardez-le, lui, là. Il est pas mignon? Il est où? Bah, il est où? Bah, je l'ai suivi, je sais pas pourquoi, j'aurais dû partir à gauche, mais bon, c'est pas grave. Putain, mais c'est pas vrai! Que les hitmarkers, là, oh! Ah, enfin! J'ai pris ma revanche. Je fais attention parce qu'en mêlée, il y a toujours un mec qui va arriver derrière toi. Je vais pas lancer mes killstreaks, je vais pas faire chier. Je vais garder le Predator. Si quelqu'un lance un harrier ou une merde du genre comme ça, je lui explose. Par contre, Nvidia Fury. Non, mais joue à la CR, remarque. J'ai rien dit, excuse-moi. Joue comme tu veux. Si tu veux jouer à la CR, c'est pas un problème pour moi.
Bien joué. Ça fait deux fois que tu me baisses, je sais pas où t'es. C'est... Ah, tiens, je peux lancer mon premier, voilà. Et je garde tous les autres. Bon, bah tant mieux, comme ça, ça s'accumule. Je vais passer par là, parce que tout à l'heure, il me nique... Mais je sais pas d'où. Il doit être quelque part... Ah, il doit être derrière, là-haut. Ah, d'accord. Et oui. Ouh. Ah, mais non, mais pas l'arme secondaire. Moi, je la sors pas, hein. Ah, c'est dommage. J'avais un truc à faire, mais j'ai rien fait. Bah, dommage. Allez, je suis pas fan de cette map-là. Tu vois, il a sorti l'arme secondaire, je crois. Il aurait pas dû. Parce que finalement, quand t'es à distance et que tu sors l'arme secondaire, tu perds également énormément de précision, quoi. Donc, c'est pas très judicieux comme choix. Ah putain. Pourquoi je me tape un hitmarker, moi? C'est pas gentil, hein? Alors, il y a Nvidia, quand même, Fury, qui en profite à jouer au Space 12 et tout ça, pendant qu'on est tous au snipe. C'est malin. J'ai envie de dire c'est malin, parce que là, effectivement, il y a un petit truc à faire. Mais ça t'empêchera pas de perdre, mon ami. J'essaie de lire en même temps les trucs, mais c'est pas terrible. Oh putain. Ah putain, des fois je fais vraiment que de la merde, putain, c'est vraiment horrible. Allez, on va se concentrer. Putain, les hitmarkers, c'est gavant, hein. Ah, merde! Bon, finalement, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde la même chose. Il est où, il est où? Petit, petit! J'en ai entendu un. Ah oui. Oh merde, putain, c'était mal joué ça. Bon, on tente des petits noscopes, hein, on s'en fout. En plus, j'ai visé solide, normalement ça devrait bien passer, quoi. Fais chier, bordel. Putain! Ah, il est passé au-dessus de sa tête, je l'ai vu! Ah! Je voulais faire le noscope! Parce que
Parce qu'après je vais finir le live, donc autant essayer de faire durer un peu le plaisir. Allez. Ouh tiens, je vais tenter de là-haut. Ça fait longtemps. Allez, allez. Juste un petit. Ah, mais non, juste un petit. Juste un petit. Ah, putain. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, allez, je veux pas perdre non plus. Allez, on va chercher un mec pour gagner la partie. Tiou, 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 tiou. Ah, voilà. Ah, merde! Ah, putain. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Le live est arrêté, non? Putain, les hitmarkers que tu tapes, c'est ouf. Ouais, moi, mais j'ai l'impression que tout le monde tape des hitmarkers de toute façon, donc du coup, c'est pas forcément que moi. Mais voilà. Bon, écoutez, on va mettre. Je vais arrêter le live parce que bah, j'ai un petit peu faim et je vais manger un petit bout. Et après, bah, je continuerai à jouer sur MW2. Voilà, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, je sais pas si je ferai un live, je verrai, ça dépend un peu si je continue à jouer ou pas. Mais en tout cas, bah, je vous remercie vraiment d'avoir suivi le live en espérant que bah, ça vous a plu. C'était sympa. Si c'était sympa et que ça vous a plu tout ça, bah, n'hésitez pas à dire tout ça sur Twitter en disant voilà, alors donnez des petites argumentations. Et puis j'essaierai de faire un live demain, je sais pas sur quel jeu. World at War a été beaucoup demandé. Donc peut-être que je ferai un live sur World at War demain, mais comme World at War ça dépend beaucoup des connexions à chaque fois, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas je vais ajouter tout le monde sur le compte Xbox, et puis si vous voulez rejoindre, bah, rejoignez n'importe quel jeu que je fais. Si je suis hors ligne, bah, c'est que j'ai pas envie que vous rejoigniez parce que j'ai envie de faire quelque chose de spécifique. Sinon on peut faire des open lobby, on est là pour s'amuser de toute façon ensemble, c'est tout ce qui est l'important comme d'habitude. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi live, et pour ma part bah, je vous laisse et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Là aujourd'hui j'ai uploadé un petit gameplay à l'USR, donc si ça vous intéresse bah, je vous invite à le regarder. En tout cas, et bah, je vous dis c'est tout, voilà, allez ciao bye bye.